Gallagher! Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Sandalogue. Je sais, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et du coup... Oh attendez, j'ai une petite loupette. Je vais la laisser, on dirait Superman. Enfin, en décalé, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien me sentir, tu vois ce que je veux dire. Bref. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'en avais pas fait et il est 6h27. On est samedi, enfin maintenant dimanche. Et du coup, je vous le fais parce que je sais très bien que sinon je vais aller me coucher. Enfin, déjà, je vais faire un montage, tout ça. Je vais me coucher, ensuite... Bah, je vais me réveiller et j'ai ma chose à faire et je vous le ferai pas encore une fois. Et des gens vont me dire, mais putain, t'as oublié le YouTube, bientôt il y aura... Attends, il y en a un qui m'a sorti un truc, ça m'a fait rire. Attends, t'es aussi inactif que Diggy Dix ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai eu des trucs. Enfin, en général, quand t'es inactif, tu reçois de ces tweets assez comiques, je vous cache pas. Bah, c'est drôle, hein, moi j'adore, hein, continuer à m'en envoyer, c'est drôle, j'aime bien. Et puis voilà, après je vous cache pas qu'il y a pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas eu upload. Déjà parce qu'on a fait beaucoup, enfin on a joué beaucoup avec l'équipe. Parce que voilà, on a perdu beaucoup de matchs, du coup on s'est remis en question, on a travaillé sur ça, on a rechangé le gameplay, le style de jeu, on a fait des waggers, enfin bref, pas mal de choses. Niveau stream, bah faut savoir que je peux pas stream le mardi et le mercredi. Ouais, je me suis fait une petite ward. Ouais, j'ai aussi lancé du petit deathmatch, pourquoi? Parce que si tu lances de la domination à 6h30 du matin, tu tombes sur des gamers du gamer XGeek X, on lance à 6. Hashtag on grind les 1000 levels, hashtag on est trop fort, hashtag ça joue sa vie, hashtag ça fait rager et j'ai pas trop envie en délog, tu vois ce que je veux dire. Donc là on est avec une sword tranquillement. Hop, on met les coups de chlasse, il y en a un autre qui passe. Oh, l'autre s'est retourné, il a vu tous ses potes mourir, il a fait mais attends, mes potes ils crèvent là. Et on voyait mettre des coups de chlasse dans la killcam. Et bref, et du coup, bah il y a aussi la motivation dans le sens où, voilà, donc on a perdu pas mal de matchs, certains qu'on aurait dû gagner, certains on n'a pas eu de chance, d'autres où les gens sont simplement, enfin les adversaires sont simplement meilleurs que nous, ça arrive, hein, on peut pas... Il est passé, attendez, wait for it. Voilà. Après on met des petits... Voilà. Non, c'est fait voir, donc là on fait genre on se casse. Attendez. Oh, mais c'est moi qui focus alors que c'est mon pote que t'avais en mien. Si je puis dire en mien. Expression du. Attendez, hop. Tu nous vois, tu nous vois plus. Oh non, il était à nous, celui-ci, putain. Et bref, voilà, du coup, vu qu'on a perdu certains matchs, bah. Ma minorité, vous savez, ces haters ou ces personnes qui, bah, qui t'es dans le mal, ou même quand t'es pas dans le mal, veulent te détruire, bah, bizarrement, devient une majorité en quelque sorte, et c'est un peu ce qui est dommage avec une grosse communauté. J'en ai conscience aujourd'hui, j'ai une très grosse communauté, et je vais pas m'en plaindre, je suis très content, ça me fait extrêmement plaisir, je vous le cache pas. Mais bah, il y a ces bons côtés et ces. J'allais dire ces bas côtés. Et ces mauvais côtés plutôt. Ouais, ouais. Désolé, il est 6h30 du matin, bientôt 7h, on commence, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah forcément, bah quand cette minorité de haters devient une majorité, dès que tu perds, qui sont là en mode « Ouais, le French Monster, il est dépassé. Ouais, vous puez la merde. Ouais, c'est comme ça que vous représentez la France. Ouais, Vitality, vous êtes nul. Retournez en partie publique, machin. » Waouh, tu vois, t'es là, bon. Bizarrement, cette majorité, tu vois, plus trop, machin. Après, vous allez me dire « Ouais, mais te focalise pas sur ça. » Mais ouais, mais c'est clair que bah ça te touche un peu, surtout que de base, t'as le seum parce que t'as perdu. Des fois, t'as encore plus le seum parce qu'il y a des matchs que tu devrais pas forcément perdre. Par exemple, les Giants, les mecs gagnent en CTF et les deux SND. Genre, tu les mets limite en 100 points club en HP. Tu vois la différence de level et pourtant, bah, ils gagnent, tu vois. T'es là derrière ton écran, tu pleures déjà. Et en plus, bah, tu vas avoir tes mentions et bah, tu peux leur encore plus, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, il y a ce côté motivation, je vous cache pas. Puis j'ai d'autres problèmes aussi dans ma... Enfin, des problèmes qui sont réglés. Mais quand même des problèmes dans ma vraie vie qui jouent aussi, tout simplement. Donc on va reprendre les streams, on a repris dernièrement. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez dans mes classes des petites swords. Parce qu'on a repris les streams. D'ailleurs, j'ai des petits gameplays sympas. Hein, avec la sword, je sais pas encore si je vais vous l'upload. Parce que des personnes m'ont demandé, oui, Gota, tu devrais l'upload, etc. Il était plutôt sympa. Mais bon, dedans, je campe beaucoup. Dans le sens où je suis avec une sword hein, quand même. Je vais pas faire que rocher. Mais à la fin, je crois que je fais un 4 de ratio. Ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Faut savoir un truc aussi, c'est que.
j'ai moins cette motivation à jouer en partie publique, c'est-à-dire que tout ce que j'ai voulu faire, mes objectifs, comme le Dark Matter, ça, bah, j'ai fait que jouer, que jouer, que jouer, que jouer. Du coup, j'ai fait que stream, que stream, que stream. Derrière, il y avait le grind du Prestige Master, donc j'ai fait que jouer en stream aussi. Mais du coup, une fois que ça s'est atteint, tu vois, maintenant j'ai l'objectif de l'arena, sauf que l'arena, ça fait que bugger. D'ailleurs, si dans les commentaires vous avez des informations par rapport à ça, dans le sens où j'en entends des vertes et des pas mûres, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui me disent entre 20h et 22h ça bug, tu peux pas lancer à 4, machin ça bug, tu peux pas sur Orange, blablabla. Bref, et du coup je comprends pas ce qui se passe, je sais même pas ce qu'il y a à la fin de l'arena. Certains m'ont envoyé des screens, je sais pas si c'est fake ou pas, s'il y a vraiment cette espèce d'emblème master ou pas. Et moi c'est un prochain objectif que j'ai envie de faire, en plus que je ferai en série YouTube forcément. J'avais lancé ça, Road Back to Master sur Black Ops 2, ensuite c'est Road to Grandmaster sur Advanced Warfare. C'est une série qui vous plaît, que j'aime faire, qui des longues vidéos, parce que je suis pas habitué à faire de longues vidéos, et forcément du coup... Bah j'aimerais bien refaire ça, sauf que bah avec tous ces bugs, bah ça rend la chose un peu chiant tout simplement. Donc si vous avez des vraies informations, des vrais liens de redirection, vers des articles ou quoi sur marche bien, etc. Les vraies informations, bah je suis preneur parce que j'aimerais bien vraiment commencer cette série. Et si vous avez aussi des idées de comment l'améliorer, parce qu'en fait le truc c'est qu'avec tous les piques et ban, bah il y a beaucoup de off. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où bah on fait rien, il n'y a pas de gameplay. Allez dégage de là, on va attendre là. En attendant de reprendre notre vie, il y a un mec qui arrive, attention. J'espère qu'il nous a pas vu, s'il nous a pas vu, s'il nous a vu. On va se mettre dans l'autre corner maintenant. Ok. J'aimerais bien vous faire un tuto aussi sur les fins de killcam, parce que beaucoup ne le maîtrisent pas, même au niveau pro, il y en a beaucoup qui savent pas comment faire. Et du coup, j'aimerais bien vous faire ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Après, il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas trop été actif dernièrement sur YouTube, mais après il y a... Attendez, parce que là, je sais pas s'il est en bas ou en... Je me tire! Mais non, 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 non. Et là, il va avoir le seum, il va sauter, il va mourir. Alors, t'as le seum? Après, faut savoir un truc, c'est que même si j'ai pas trop upload dernièrement, il y a eu quand même pas mal de contenu que j'avais tourné la semaine dernière, ce qui m'avait empêché de... la semaine dernière. Il y a deux semaines, trois semaines, je sais plus. Donc des tutos, des vidéos fun, défis avec mes compères Riskin et Broken. Non, je suis mort des gars de chute. Oh j'ai le seum, j'étais en train de les mettre caliente. Donc allez voir son Open No Game, il y a des trucs assez sympas, victime de machin, il y a des 1v1 sniper, des tutos, pas mal de choses, donc il y a quand même du contenu que j'ai fait, même si c'est pas forcément sur ma chaîne. Et voilà, donc non, je suis pas non plus hyper inactif, vous inquiétez pas, là d'ailleurs demain ou hier, il y a une vidéo encore d'Open No Game qui est sortie, il y en a toutes les semaines qui sortent maintenant, et je vais aller en retourner d'autres, vous inquiétez pas, mais j'aimerais quand même vous faire ce tuto sur les G-Slides, que beaucoup ne maîtrisent pas même à haut niveau, et que je maîtrise complètement, voilà, tout simplement, voilà, faut le dire, des fois faut dire des choses dans la vie. Oulala. Retourne. Ok, toujours là-bas. Il est où, bordel? On va aller le chercher avec la Sword. La Sword, il a l'air de ne pas jouer. Ok. Donc non, je vous cache pas qu'à cette heure-là, vous aussi n'hésitez pas à lancer du Team Deathmatch. Il y a des joueurs à F4, ça, tout ça. Vous tombez pas sur les barjots de la Knight qui grind hard, le Prestige 1000, etc., etc. En tout cas, si vous jouez tout seul, hein, si vous êtes après en groupe... Tu vois, et vous montez tranquillement votre épée, votre sword. Est-ce qu'il m'a vu lui? On saute. Ah, il nous focusait nous. Sorry. J'adore cette épée. Ah, j'ai pas le temps de me barrer. J'aurais dû y aller, j'aurais dû y aller, j'aurais dû être faire le vrai bonhomme, slider vers lui et tenter ma chance. J'aurais dû. Donc voilà, c'est histoire de vous tenir un peu au courant de ça. Donc faut savoir un truc, c'est que je vais faire une petite vidéo récap sur la CWL. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi les matchs, etc., etc. Ce sera sûrement un commentary. Donc dernièrement, en plus, on a battu Millennium, donc c'est une bonne win. C'est pour ça que là, j'ai le smile et je vous en parle. Ah ouais, mais vas-y, venez pas à 3000 aussi. Genre 1, 2 au pire des cas. Ok, il y en a deux qui passent là. Ils vont avoir pas la RCT. Un qui est mort. Il y en avait un second. Le pote me l'a... Mais attends, comment mon pote l'a louché là? Non, regardez, il s'est fait tirer dessus dans le dos. Tu vois? Mais mon pote est un choker. Faut pas faire confiance à ses potes. Bon, faudrait pas non plus trop mourir, il y a un mec en 9-3 en face. Hein. Allez, dégage de là. Dégage de là aussi. Ah non, on découpe. Nous, on découpe les gens ici, nous. Nous, on ne rigole. Ah. Là, j'ai envie d'aller me coucher, là. Tu vois ce que je veux dire? Là, je... Là, le tilt est à son maximum. Tu vois, et ça c'est le genre de truc qui arrive en CAI et qui m'arrivera si je tente une nuque. J'ai envie de la tenter la nuque au machin.
avec cette arme. Et on va le tuer à l'arme. Lui qui est derrière nous, on va le tuer. Oh. Putain. Il s'en rend pas compte, mais il a gâché un truc là. Il a gâché un truc. On aurait pu créer une amitié, mais là, tu vois, il a tout gâché. Bref, il y a aussi mon montage à Nsarafar, donc je sais que beaucoup l'attendent. Qui va sortir prochainement. Et un sniper aussi, on va aller chercher notre épée. Il est passé où? Il a couru? Il s'est barré? Il s'est barré où du coup? Oh là là, c'est chiant cette map, hein. Faut courir, hein, putain. Ah, quand tu joues à l'épée, elle est pas drôle, hein. Allez, dégage. Y'a d'autres là-bas? Non, c'est bon. Ça va être de l'autre côté peut-être? Ah oui, c'est de l'autre côté. Donc il pense qu'on l'a pas vu. En fait, si. Oh, mais arrête de nous piquer tous nos kills, toi. Toi, on t'a swardé. Toi, on va te swarder. Voilà. Allez, à la bienne, cousin. Notre pote aussi aux pompes. Ah, il doit en avoir marre en face aussi. Hein. Ah ouais, il doit faire un câble. Il doit en avoir marre. Ils sont swardés, ils sont pompés. En bref, ils prennent la totale. Donc ouais, mon montage à Nsarafar, là il est en finition si je puis dire, c'est-à-dire que bah, il est fini, et là il y a juste les petits trucs que je lui demande de changer tout simplement. Alors on a mis la kinétique, on avait un peu peur, et du coup qui sortira courant semaine prochaine normalement, donc il y a aussi des gameplays, j'ai repris les lives dernièrement, donc un à la Pharo, un tête à la Sword, donc à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas comme j'ai dit tout à l'heure, et si ça vous intéresse, bah, on va faire ça. Donc là j'ai un peu peur qu'ils arrivent à 10 000 en fait, parce que quand on chasse un... Ok. Ouh, j'ai peur qu'il se retourne, attention. Ok. Ah, mais on est bien là, on est en 4-17 de ration, sachant qu'on a fait la majeure partie de nos kills à la Swarm. Je pense que c'est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on campe un peu, mais... Un camp, est-ce que c'est vraiment de la camp quand on a l'épée? Est-ce que ça compte comme de la camp? Là, tu vois, il nous a vu partir, du coup, il va passer, notre pote va le tuer. Voilà. On fait les calls ici. Il doit avoir le seum, il sait pas si... Oh, ils étaient deux. Ah, oh, j'ai le seum. Donc il y a un gameplay à la Pharo, un gameplay à la Sword comme je l'ai dit, et puis c'est à peu près tout, comme j'ai dit, une vidéo récap CWL. Et puis voilà, donc je vais peut-être aussi reprendre à... Enfin, si, je vais reprendre les streams, mais peut-être reprendre les deux streams, les scrims. Parce que voilà, avant je voulais pas trop qu'on soit snipé, etc, etc. Là, je pense qu'on est prêt, on a enfin établi un gameplay, un style de jeu qui marche plutôt bien, donc je vais re-stream, donc on fera pas forcément ce qu'on fait en match, forcément. Que les gens arrivent et savent directement ce qu'on fait, et du coup, pourquoi pas reprendre même les petits waggers qu'on fait, etc. Donc, ça serait pas mal. Et j'aimerais vraiment commencer cette. Oh, Ida, j'allais mourir. Non, franchement, je suis content, j'allais mourir. On est d'accord. Donc, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est histoire de vous tenir au courant, histoire de vous faire un syndélogue, parce que voilà, ça se fait pas trop pour vous, mais je pense que vous pouvez comprendre aussi ce côté où. Bah, cette démotivation déjà par le fait que tu perds, le fait que ta communauté t'insulte un peu, enfin t'insulte entre guillemets. Après, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, forcément je suis hyper content d'avoir une bonne communauté, enfin d'avoir une grosse communauté derrière moi, et il y a des logiques qui est avec des mauvais côtés plus ou moins. Ça arrive à toutes les communautés, même Optique, hein, Scum, enfin je pense que j'en reparlerai dans ma vidéo CWL, dans mon petit commentary, mais même Scum c'est pareil, dès qu'ils perdent un match avec Optique, pourtant tu vois c'est Optique et tout, ils se font déchirer par la communauté, enfin bref, voilà ce côté veste reversible, je pense qu'il y a juste une communauté pour l'instant que je connais qui suit dans la défaite, dans la victoire un peu partout, celle des Giants, les Espagnols, parce qu'en même temps, cette communauté de base, les Giants sont voués à être tous les tout derniers, donc quand ils font un bon truc, bah forcément, enfin vu qu'ils sont voués de base à être les derniers, à leur communauté, dès qu'ils, même s'ils sont derniers, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Alors que nous, bah, on a habitué certaines personnes à être minimum top 3U, à battre certains joueurs, battre certaines équipes. Vu que nous, on dit tout le temps que nos objectifs sont assez hauts, et c'est le cas. Et du coup, bah, on déçoit pas mal par rapport à ça, et bah, les gens direct nous mettent des taquets, si je puis dire. Et c'est peut-être par rapport à ça que c'est dommage, mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous en reparlerai de toute façon dans un commentaire, donc j'espère que ce gameplay vous a quand même fait rire, fait plaisir, je ne sais pas. La Sword, on va essayer de faire le Dark Matter, hein, donc j'ai vu qu'on a débloqué, on a fait notre 80 kills. On va en faire combien, 200 ou... Attendez. Ouais, faut en faire 200. Ok, on a 90, donc on va les faire en stream, donc twitch.tv/gotaga, mon site web qui arrive bientôt, donc bientôt vous pourrez voir le stream directement sur gotaga.tv, je vous en reparlerai de toute façon. Et puis il y a pas mal de choses aussi que je dois... Enfin... dont je dois vous parler, mais je vous en parlerai sûrement dans le prochain syndélogue, je vous promets. Il sortira, qu'on perde, qu'on gagne, il sortira. Vous inquiétez pas par rapport à ça. En tout cas, j'espère, comme j'ai dit, que ça vous a fait plaisir. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime.
de me faire part dans les commentaires de tout ce que je vous ai demandé durant la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, tout simplement sur ce Bonne Nuit, je dois avoir les yeux éclatés. C'était Superman, je vous ai mis cette petite bête. Pour ça des fois, tu vois, on met une casquette, je vous assure, ce qu'il y a en dessous, faut pas voir. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a la casquette, tu vois. C'est pour ça que des fois, on est content d'être sponsorisé par Red Bull, tu vois. On est là, on cache la misère, on a juste une petite bête. Tu vois ce que je veux dire. Sur ce, peace.